come again with the flipped class for this week. Inshallah, this week I teach you how we can talk about something in the school also. Still with the unit 1, talk about the school, but today with a new lesson is qu'est-ce que tu apprends à l'école? Casque is mean what? Qu'est-ce que tu apprends? What you learn à l'école, in the school. Qu'est-ce que tu apprends à l'école? So, we start with the new vocab in this lesson. Donc, les nouveaux mots. Here I have the question. Qu'est-ce que tu apprends à l'école? À l'école, what you learn in the school? À l'école, j'apprends le français, French, l'arabe, avec anglais, in English. À l'école, also j'apprends, or j'aime, I love, les sciences, science, la géographie. I can say la géographie or la géo. Also, l'histoire, le dessin or les arts plastiques, le sport or les IP, like EP et PE in English, c'est EP in French. So again, à l'école, j'apprends, I learn, le français, l'arabe, l'anglais, I can complete, les sciences, la géographie, l'histoire, le dessin, I can say also les arts plastiques, le sport. I say j'aime is meaning I love. If I say I want to say I love, I say j'aime à l'école, j'aime what the subject I love. I say j'aime le français, j'aime l'anglais, j'aime l'arabe, as you like. Okay, j'apprends is meaning I learn, j'aime is meaning I love. After that, I can talk about what I love exactly in the school. So, à l'école, je n'aime pas, if you want, or j'apprends aussi, I learn also, les maths, l'informatique, les maths, or les mathématiques, or les maths, l'informatique. I can say, j'aime, or je n'aime pas, is meaning I don't love. Je n'aime pas les maths, je n'aime pas l'informatique. But I talk about what I study in the school. I say j'apprends. After that, the name of the subject I teach you now. But in this lesson also, inshallah, we'll try to know what is the difference between j'aime and je n'aime pas. I love, I don't love. J'adore, I love so much. Or I prefer that in French. How can I say that in French? So, let's start to repeat it again. Qu'est-ce que tu apprends à l'école? Qu'est-ce que tu apprends à l'école? What you learn in the school? Qu'est-ce que tu apprends à l'école? Essaye à l'école, the school. Qu'est-ce que tu apprends à l'école? À l'école, j'apprends. À l'école, in the school, j'apprends. I learn beaucoup de matières. I study many subjects. Matière is meaning subject. Beaucoup is meaning many. J'apprends beaucoup, is taken before, any beau, remember? Beaucoup together is meaning many. J'apprends beaucoup de matière. So after j'apprends beaucoup de matière, I must say there in English. Like I say, I study there or I learn there. After that, the name of the subject. There in French, I told you last time, it meaning what? Le or la or l'apostrophe or les. All that is meaning there in French. Le, la, l'apostrophe, les. So what the this all is meaning there? I learn or study there. I study English, French, like that. I say that in French, le, la, et l'apostrophe, les.
Look for the any word. I told you before that is masculine. It's male. Male is meaning that most of them is not ending by letter E. La for female. La for female is meaning ending by letter E. So the most 90% of the words come with la. Or about more than that, 99% for the words come with la is all the time ending by E. El apostrophe start with vowel or ash is h, is vowel a or e, this one is e, is I, so a, e, o, u, also o, so or ash. So I start, if any word start with vowel letter or ash, so take el apostrophe, but not ending by s. If ending by s start with vowel or not, so take is lay. Mister, I'm confused a little bit. What I say it? So I say à l'école j'apprends beaucoup de matière. After that, I say the name of the subject. I love it. I study. Like what, Mister? Give me another exam here. Les articles définis that we talked about now. Le and la. L apostrophe les. Le, we say it for masculine. La for male. La for féminin. L apostrophe for masculin or féminin, singulier, singular, but start with vowel or letter H. Here, le masculin or féminin, pluriel is plural. Les. Le, like what? See, it is not ending by letter E, but here, féminin is ending by E. El apostrophe start with some letters. And lay is ending all the time by letter S. So again, le is not ending by letter E. It's not ending by letter E. La is ending by E. El apostrophe start with vowel A or E is I or H. For the subject, I talk about the subject now. For le and others vowel or letters also vowel. For el apostrophe, le start with vowel or not, but ending is more important, ending by letter S, letter S or X or something else, but we talk about S here for the subject. So le, like what? Le français, Mr. Français is ending by S. Here is as a subject is le, is meaning is one. Le français is subject, the French subject. But if I talk about the French people, is ending by S, we'll take the last one, les français. Le dessin, art. Le sport, look now, the end or the beginning. The end, all of them is not ending by S, except français, because I talk about the subject. Don't start with vowel, so I say le. La, look at. La géographie, la musique is ending by E. El apostrophe start with vowel, ending by here the ending is E or not, but is start with vowel. L'arabe, anglais also ending by S, but here it talk about the subject, not the English people. L'histoire start with H. L'informatique start with I. Is ending by letter E. It's female, yes, but start with vowel. Les sciences, les mathématiques, look at. Les arts plastiques, all the time is ending by S. As like say English, also science. Mathématiques is plural, this word. And les arts plastiques. So, now we talk about this subject now. I have like this. I want you write about this each one. The first one from the left is la géographie. Here, yes, l'histoire. After that,
the language. I can say l'espagnol, c'est l'arabe, I can say l'anglais, it's a subject. It's a subject, but is language. Here is les maths. After that, les sciences, la musique, sorry. La musique. Here, les arts plastiques. Le sport. Les sciences, l'informatique. So I say, à l'école, j'apprends beaucoup de matières. In the school, I study many subjects. J'apprends la géographie, l'histoire, l'arabe, l'anglais, le français, les maths, la musique, les arts plastiques, le sport, les sciences et l'informatique. I also have also EP or the sport. We have something else that quelle matière aimes-tu? M, I told you before, is meaning j'aime, is meaning I love. So we talk about what the subject I love it and what I don't love it. So quelle matière aimes-tu? If you are here you have this one is meaning happy, you love it. So you say j'aime is meaning I love. J'aime. No one says j'aime. No, it's wrong. You say j'aime. Like a j'aime is meaning I love. J'aime beaucoup. If I say j'aime is I love. J'aime beau. Look at beau. Beau here is o. And here is o. Here is O. Here is double O. O. All the time when I have it. These three letters together, I say it O. I told you that before. Here is double O. I say O. But the letter P, I don't see it. So, j'aime beaucoup. Beaucoup. I don't say letter P. It means I love so much. I can say also, j'adore. J'adore means I love so much also. I can say j'aime is meaning I love, j'aime beaucoup, I love so much, or j'adore. The same in English, I say I adore. I have also here je préfère also. All of that is meaning something I love it, it's good for me. J'aime beaucoup, j'adore, je préfère. After that, the name of the subject is something I love it. So j'aime, or j'aime beaucoup, or j'adore, or je préfère. But if I talk about it, something I don't love it, what I say, or love it little. So I say what? J'aime un peu. I love it, but it's not very much. So j'aime un peu. J'aime un peu, I love little. Here, je n'aime pas. So, j'aime is meaning I love. J'aime beaucoup, I love so much. J'adore is meaning I adore, I love so much also. Je préfère, or j'aime is meaning I love. But j'aime un peu is meaning I love little. Je n'aime pas, here I don't love. Okay, j'aime un peu, here is j'aime un peu. We have something to listen now and try to know it, how we can do this activity from Delph. Here we'll listen, and with the sticker in your book, you'll found what we love it. Love is the green one. J'aime un peu, little is the yellow. After that, the red one, je n'aime pas. Here, the first one, give us example. Moi, me, j'aime les maths. So, if you say j'aime les maths, so it's meaning you will put that green one here. Your stickers in page A. So, put here, the sticker is happy face, j'aime les maths. Les sciences, also with the science. Also, l'informatique. Le sport. La musique. So we can listen together and we can complete the others.
We can listen. Moi, j'aime les maths, les sciences, l'informatique, le sport et la musique. Et la musique. Okay. Je n'aime pas l'histoire et la géographie. Je n'aime pas l'histoire. J'aime un peu les arts plastiques et mon cours d'espagnol. J'aime un peu les arts plastiques et mon cours d'espagnol. Mon cours d'espagnol. So I will put here, I don't love les arts plastiques, on le dit ça. Mon cours d'espagnol is make the language for Spanish. So here you can read it again. Moi, j'aime les maths. J'aime les maths. I love the math. Les sciences, l'informatique, le sport et la musique. Look it now. I put the green one, the happy face. Because I love it. Je n'aime pas, I don't love what? L'histoire et la géographie. For that, I put the red one, the sad face. J'aime un peu, little, so I see les arts plastiques, mon cours d'espagnol, with the face, with the yellow one. We have another one, we can listen together, and we'll put it. We'll listen two times. Compréhension de l'oral. Exercice 1. That's in your book. Écoute les messages et entoure le bon dessin, comme dans l'exemple. Exemple. Tu entends. Moi. Message 1. Message 1. Make it. Moi, j'adore les mathématiques. Bien. J'ai cours de mathématiques les lundis, mercredis et vendredis. J'aime aller à l'école les lundis, mercredis et vendredis. Ok, listen to time. Écoute okay. Encore. Message 1. Moi, j'adore les mathématiques. J'adore. J'ai cours de mathématiques les lundis, mercredis et vendredis. J'aime aller à l'école les lundis, mercredis et vendredis. So you will circle this one. Tu entoures le message correspondant. No, because it's j'adore. Well, this is j'adore. Je préfère. Attention. Now nous this one. We start now. Écoute bien. Attention, now we start now. Message 2. Moi, j'aime beaucoup l'histoire. C'est j'aime beaucoup. J'aime l'histoire de mon pays et des rois de France. C'est j'aime beaucoup. L'histoire à l'école, c'est super. Super. So, which one? J'aime beaucoup. Écoute encore. Say again. Message 2. Moi, j'aime beaucoup l'histoire. J'aime beaucoup. J'aime l'histoire de mon pays et des rois de France. J'aime beaucoup. L'histoire à l'école, c'est super. Message 3. 3. Moi, je déteste les sciences. Je déteste. Je n'aime pas parce que parfois, en science, on est méchant avec les animaux. Je déteste. Écoute encore. Déteste is equal, je n'aime Message pas. Message 3. Moi, je déteste les sciences. Je n'aime pas parce que parfois, en science, on est méchant avec les animaux. C'est je déteste et je n'aime pas. For that is Message 4. 4. Moi, j'adore le français. Oui, j'adore. J'aime apprendre des langues. L'anglais, l'espagnol, l'arabe, le japonais. Les langues, c'est super. Again, super. Vive les langues. Vive les langues. So again. Écoute encore. Message 4. Moi, j'adore le français. J'adore, so I love it. So, sorry. Make it again, please. Sorry. So. Delph prime. Compréhension de l'oral. Exercice 1. Écoute les messages et entoure le bon dessin. Ça, c'est, comme dans l'exemple. I love it. Je n'aime pas. Exemple. Love it. J'adore. I love so much. Message 1. Moi,
J'adore les mathématiques. J'ai cours de mathématiques les lundis, mercredis et vendredis. J'aime aller à l'école les lundis, mercredis et vendredis. Écoute encore. Message 1. Moi, j'adore les mathématiques. J'ai cours de mathématiques les lundis, mercredis et vendredis. J'aime aller à l'école les lundis, mercredis et vendredis. So, I circle this one tu alive. Entoures le message correspondant. J'adore, I love it. So attention, nous commençons. Écoute bien. Message 2. Moi, j'aime beaucoup l'histoire. J'aime l'histoire de mon pays et des rois de France. L'histoire à l'école, c'est super. Écoute encore. Message 2. Moi, j'aime beaucoup l'histoire. J'aime l'histoire de mon pays et des rois de France. J'aime beaucoup. L'histoire à l'école, c'est super. Message 3. 3. Moi, je déteste les sciences. Je n'aime pas parce que parfois, en science, on est méchant avec les animaux. Écoute encore. Je n'aime pas. Message 3. So. Moi, je déteste les sciences. Je n'aime pas parce que parfois, en science, on est méchant avec les animaux. Message 4. Moi, j'adore le français. J'adore. J'aime apprendre des langues. L'anglais, l'espagnol, l'arabe, le japonais. Les langues, c'est super. Vive les langues. Écoute encore. Message 4. Moi, j'adore le français. J'aime apprendre des langues. J'adore. L'anglais, l'espagnol, l'arabe, le japonais. Les langues, c'est super. Vive les langues. Message 5. Moi, j'adore mon nouveau professeur de sport. J'adore. Il est gentil, il est beau, il est sportif. C'est un très bon professeur. Écoute encore. Listen again. Message 5. Moi, j'adore mon nouveau professeur de sport. J'adore. Il est gentil. Il est beau, il est sportif. C'est un très bon professeur. Exercice 2. So, we complete now. We go to another for the dictation now. For the dictation is à l'école, in the school, j'apprends beaucoup de matières. À l'école, j'apprends beaucoup de matières. J'aime le français et je n'aime pas les maths. À l'école, j'apprends beaucoup de matières. J'aime le français et je n'aime pas les maths. In the school, I study many subjects. I love the French. I don't love the math. This is all what you have in this week. Et je vous souhaite très bonne semaine.